Joyeux anniversaire, bébé. Joyeux anniversaire, Lucinda. Joyeux anniversaire à moi. J'ai 314 ans aujourd'hui. Vivement cette année. C'est la pizza, j'y vais. Oh, désolée, j'ai pas vu ton pied. C'est le coup de foudre. Tiens l'argent. Lucie, rentre maintenant. Bye, Lucie. Même pas en rêve. Hé, hey, Lucie, comment ça va? Sean, mon amour. Tu seras à moi. Salut, Lara. C'est quoi son problème? Elle a jeté son dévolu sur mon petit copain. Bye, Sean. À plus. Je vais garder un œil sur cette vermine. Il a mis des crocs en or, t'y crois ça? Du sang dans un verre? Un resto de vampires! Qui est là? Salut, je suis Sean. Y a personne ici? Allez, Sean, entre! Papa, c'est Sean, et on sort ensemble. Salut! Un mortel? Dehors! Sean, t'es réveillé? T'as soif? T'es un vampire? Ma petite copine est un vampire! Oh, Sean, t'as pas peur? Visiter un repère de vampires, ça a toujours été mon rêve. C'est les cendres de Dracula? Une photo de ton père? Pourquoi tu rigoles, mec? Reste dans ce cercueil, mon pote. Et repose en paix. D'ici, tu ne pourras plus jamais voir ma fille. T'as rien à faire ici. Mais papa, je l'aime bien! Chérie, t'as oublié le code des vampires? Pas d'humain dans une maison de vampires! Wow. Ouais, je me suis coupé le doigt! C'est pas grave, c'est que du sang! Du sang! Est-ce que quelqu'un a dit sang? C'est l'heure du goûter! Sean, tu devrais y aller là! Manger! J'espère que ton doigt va vite guérir. T'inquiète pas, Lucie. À plus. Lucie a commandé à manger. Je vous déteste. Les revoilà. Hé hey, je dois faire quelque chose. Ouais, une tueuse de vampires. Hasta la vista, vampire. Raté. Et tu dis quoi de ça? C'est pas passé loin, mais loupé! Goûte un peu à cette ail. Hey, je dois choper un vampire au plus vite. Je suis là. Chut, fais profil bas. Elle est juste trop contente de me voir. Regarde, j'ai une banane bien mûre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Hé, hey, réveille-toi, qu'est-ce que tu mates? T'es trop drôle, Sean. Allez, viens. Lâche-moi. Je vais m'en occuper. Je vais t'avoir cette fois. Excusez-moi, monsieur le principal. Maintenant, c'est la bonne. Attrape! C'est pas possible! Tu es fichu! Maintenant, tu vas rester là, la suceuse de sang. Des barreaux en argent anti-vampire.
Je suis un génie, pas vrai? Je vais prendre une preuve. Oups! C'est vrai qu'on voit pas les vampires en photo. Oh, mais je sais! Prends cette aille, sale vampire! Nickel! J'ai capturé le vampire. Yes! Où est Lucinda? Elle est partie depuis hyper longtemps. Lucie, t'es où? Pas de réponse. Bah voilà, maintenant je m'inquiète. Je vais aller voir la police. La prunelle de mes yeux a disparu. Lucie! Un vampire? Ce policier est vachement sensible. Oh, Saint Dracula, j'espère qu'elle va réapparaître. Quoi? Elle aime vraiment, on dirait. Mais où elle peut bien être? Quoi? Une tueuse de vampires? On va voir qui va se faire tuer. Où est ma Lucie? La classe semble tellement vide sans elle. Ça y ressemble pas mal. Sean, je suis une jeune vampire. C'est du sang, pas du jus de tomate, hein. Santé. Oups. Elle est où, Lucie? Bonjour, les enfants. Le diable! Oust! Le cours est annulé. C'est pour toi, Sean. Ok. Mais elle est où? J'ai un bon repas pour toi, du porridge à l'ail. Bon appétit! L'hypnose fonctionne à tous les coups. Arc, deg! Oh, un texto! C'est Van Helsing! Il me demande de sortir avec lui. Mais je pue tellement! Je dois vite me brosser les dents. J'y étais presque! Tu te fais trop d'idées! Papa, t'es là! Chut, fais pas de bruit! Je vais d'abord m'occuper d'elle. Morla, Morla, Morla! Mes dents! Je t'ai eu! Mes crocs! Désormais, t'es à moi! La famille est réunie. Papa, est-ce que ça va? Lucie? C'était que mon imagination. Hé, hey, Sean! Viens à ma fête de vampire, ça va être d'enfer! Lara, t'as perdu ça? Qu'est-ce que c'est? Une tueuse de vampires? Oh non! Pourquoi t'as fait ça? Oups! Désolée, c'est un réflexe. Ce que tu m'as demandé est enfermé là. Alors c'était toi? Tu pensais pouvoir me voler mon petit copain? Dans tes rêves, Sean est à moi. Tu m'as piégé. Arc, mais tu pues grave. Que personne ne bouge. Je suis venue sauver ma petite copine. Oh, Sean, coucou. Maintenant, c'est moi, ta petite copine. Arc, mais tu pues. Va prendre l'air un peu. Oh, tu m'as tellement manqué. Oh, tu m'as encore plus manqué, mon amour. On ne se séparera plus jamais. Il y a de l'amour dans l'air. Oh, bébé. Je peux pas me mettre en travers de leur amour. Sortez de là. À partir de maintenant, on restera toujours ensemble, chérie. Papa, s'il te plaît. Bien joué, fiston. Bienvenue dans la famille. On mord pas. Oh, comme c'est mignon. Allez, bon vent. Oh, j'espère que c'est un vampire.
Non, ma fille va choisir un loup-garou. Mais non, ce sera un vampire. Tu veux parier? Les voilà. Bonjour, monsieur et madame Adams. Je suis Sky. Quoi, un ormie? J'ai gagné le pari. Comment c'est possible? Mais pourquoi et quel choc? Eh bien, Sky, mets-toi à table. Merci. Voyons voir. Des couverts en argent pour notre cher invité. Waouh, ça brille, c'est super! Oh, ça craint! Sky, t'es un peu sale ici. Tiens, regarde-toi dans le miroir. Merci, madame Adams. Il a un reflet? C'est clairement pas un vampire. Oh, je sais! Sky, regarde! J'adore les pleines lunes! Nom d'un lutin, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vais servir le repas. Oh, génial, je meurs de faim. Voilà le premier plat. C'est quoi ce truc chelou qui a éclaté dans ma bouche? Quelle naze! Comment on peut ne pas aimer les asticots? Maman, papa, je suis très déçue. Ce type doit dégager. Les voilà. Ce naze de Normie a ensorcelé notre petit corbeau. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, on doit filer. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble, mi amor. On a une mission spéciale pour toi, Musclor. Donne une bonne leçon à Sky. À plus mercredi! T'aimes te faire poncer le crâne, l'intello? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais non, s'il te plaît, lâche-moi! Quoi? Pas des piranhas? Oups, elle s'est sacrément vengée! Mercredi, j'aurais pu me débrouiller tout seul, tu sais! J'allais le retourner et le frapper en pleine face. Les élèves, vous allez passer un test aujourd'hui. Sortez les stylos. Allez-y. Et que personne ne triche. La chose, tu connais la chanson? Qui est là? J'ai rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Je te tiens. Quoi, du lait et des œufs? Mais je sais pas ce que c'est. Quoi? Mauvaise feuille. Oh zut. Ok, continue Sky. Et jetez à l'œil, toi. La chose? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Allez, donne-moi ça. Tu vas oublier le nom de ma fille. Mercredi n'existe plus pour toi. Maman, regarde par là-bas. Il n'y a pas meilleure arme que l'auto-hypnose. Maintenant, maman. Réveille-toi, Sky. Enchantée, madame Adams. Morticia, j'arrive. Qu'est-ce que tu regardes, Miamor? Donnez-moi un A. Donnez-moi un dance. Donnez-moi les Adams. Qui est là? Revoilà ce Normie.
Gomez! Oui, mon amour? Ce garçon joyeux frappe à nouveau à notre porte lugubre. Je vais l'accueillir chaleureusement. C'est ouvert, entre! Entre, Sky. Ta main va bien? Oui, Mercredi. Donne-moi une seconde pour me changer. Mercredi a tellement de hobbies. Gomez, dans son dos! Je m'en occupe. Sky, laisse-moi te montrer notre mur familial. Mercredi, c'est pour toi. Oh, c'est mes préférés. Comment tu savais? Gomez! Oh, mi amor, s'il te plaît, sois pas fâché. Ah, Sky, mon garçon. Je te défie en duel. Je peux refuser? Sky, on doit y aller. Attends un peu. Un duel d'abord. Masque, messieurs. J'ai pas besoin d'un masque. À l'attaque! C'est mon sport préféré. Vas-y, Sky! Mon pouce est bien plus fort que le tien. On va parier. Mais t'es qui? Je ne suis plus le simple Sky que tu connais. Je suis un Skywalker. Je suis diplômée de l'école des Jedi. Quoi? Trop la classe, non? Merci, maman! T'inquiète, t'auras plus de chance la prochaine fois. Te laisse pas abattre, mon amour. Oh, cara mia! T'es prêt, Gomez? Bienvenue dans notre maison, Sky. Viens, je vais te faire visiter. Voici notre salle à manger. Je vais te montrer les tableaux. C'est ta grand-mère? Tu lui ressembles vachement! Gomez, mais comment t'as pu le rater? Voici notre bibliothèque familiale. Gomez! Ces fleurs sont trop belles! Ouais, elles sont là si on en a besoin pour un enterrement. Tiens, santé à toi! Touche pas à ça! On s'en va tout de suite! C'est insupportable! Oh, cara mia! On devrait commander ça. Morticia! T'as bu assez de poison pour aujourd'hui, mon amour. Serveur? Je dois tenter ma chance! Que désirez-vous? Je suis votre serveur. On va prendre deux desserts, s'il te plaît. Notez, ça arrive tout de suite! Sky, tu ne vas pas aller très loin comme ça. L'addition? Combien? Je m'en occupe. Il est fichu! Je vais payer avec ma carte. On y va, Sky! Quoi? Mais comment c'est possible? Qui s'en est encore sorti? Morticia boit pas ce poison, ça craint trop! Quoi? Ils ont payé avec ma carte? J'y crois pas! Mais Gomez, fais quelque chose, il va l'embrasser! «
Sky, je vais te sauver. Viens là. Oui, oui, oui. Non, non, non. Tu m'as sauvé, je t'en dois une. Ça craint. Sky, entre donc. Monsieur Adam sera notre chef aujourd'hui. Cuisiner, c'est un art. L'essentiel, c'est de choisir le bon outil. T'aimes pas le piment? Le dîner est servi. Et c'est pas tout. De la sauce fraîche. Voilà un délicieux sandwich. Sky, on y va. Piou! Merci monsieur, ça va aller. Bonjour. Mercredi peut entrer, mais pas Sky. C'est qui? Oh, cousin machin! Te voilà le poilu! T'as vraiment des sosies partout, toi! Oh, mon plan a pas marché! C'est qui? Enid? Entre! Bonjour, monsieur Adams! Mercredi est dans sa chambre. C'est qui là-bas? Enid! Enid? Malédiction, il m'a piégé! Tu nous as dupés pour entrer dans notre maison. Va-t'en tout de suite! Notre fille ne sortira pas avec toi. Stop! Tu ne sortiras pas avec ce Gomez Morticia. Mais maman, je l'aime! Oh, cara mia! Je vais chercher un peu d'eau. Mercredi, je me suis trompée. J'ai agi comme ma mère. Tu veux bien me pardonner? Oh, tout le monde s'en lasse! Merveilleux! Bienvenue dans la famille Adams. Nom d'un chien, c'est un triton! Je savais pas comment vous le dire. Le bon côté des choses, c'est que tes parents m'aiment bien maintenant.